Yo, salut à tous, c'est Ponze. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, comment démarrer sur ces Wizards et sur ces Vegitor? Donc, dans un premier temps, on va s'attaquer à ces Wizards. Et dans une deuxième partie, on va s'attaquer à ces Vegitor. Donc, pour ces Wizards, on va tout de suite se rendre sur le site qui se trouvera dans la description, comme tous les sites que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on va arriver sur une page comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. On va avoir une liste de jeux et juste en bas, on va avoir deux offres. Donc la première offre, ça va être la C Wizard PS4 Max. La deuxième offre, ça va être la C Wizard PS4 Edition. Donc la première offre, C Wizard PS4 Max, est à 59 euros. Et dans cette édition, on va avoir l'Advanced Mode. Donc c'est principalement de ça qu'on aura besoin pour faire les DMO et les tenues et tout ce que vous connaissez sur ces Wizards. Étant donné qu'il n'y a pas d'Advanced Mode dans la version PS4 édition, il nous servira à rien de l'acheter. Celle qui va nous intéresser, ça va être la PS4 Max qui est à 54 euros. Pour procéder à l'achat, on va tout de suite cliquer sur Buy Now. Une page va s'ouvrir et on n'aura plus qu'à descendre pour procéder au paiement. Donc c'est avec PayPal. On va sélectionner notre monnaie dans Select Currency. Et on va cliquer sur Bwino. Donc les potos, vérifiez bien votre adresse mail PayPal car c'est sur cette adresse que vous allez recevoir votre licence. Donc vérifiez que vous avez bien accès à la boîte mail et qu'il n'y a pas d'erreur dans l'adresse mail. Ensuite, votre paiement est effectué, vous allez recevoir un mail comme à l'écran avec ici votre numéro de licence. C'est ce que vous allez rentrer la première fois que vous rentrerez dans ces Wizards et qui vous permettra d'avoir accès à ces fonctionnalités. Donc rien ne sert d'essayer de le craquer ou quoi que ce soit, car ce sont des clés qui se génèrent automatiquement à l'achat de celle-ci. Ce que je vous conseille de faire encore une fois, c'est de noter cette licence et de ne la passer à personne, si ce n'est des personnes de confiance, car si votre clé est perdue ou volée, vous ne pourrez pas en récupérer une autre. Allez, une fois que c'est fait et que vous avez bien noté votre licence, on va se rendre encore une fois sur le site de ces Wizards, dans l'onglet Download. Et on va télécharger notre C Wizard sur notre système d'exploitation. Sachant que C Wizard fonctionne sur Windows, Mac et Linux. Allez, une fois que vous aurez téléchargé votre fichier zip, vous allez l'ouvrir et l'extraire sur votre bureau. Vous allez avoir votre icône C Wizard, vous allez l'ouvrir, accepter un message si vous en avez un, et c'est ici que vous rentrerez votre licence. Allez, une fois rentré, on va accepter le message. Gardez toujours en main votre licence, d'accord? Car si vous devez changer de PC ou qu'il vous arrive quoi que ce soit, vous pourrez toujours vous connecter sur un autre PC tant que vous avez votre numéro de licence. Donc là, on va voir un petit téléchargement. Ça dépend toujours de votre connexion, les potos. Étant donné que c'est la première fois que vous l'ouvrez, vous aurez un téléchargement un peu plus long. Vous inquiétez pas, les potos, ça télécharge la liste des jeux. Là, on va se retrouver dans le menu principal de ces Wizards et la première chose qu'on va regarder ensemble, ce sont les profils. Donc les profils, ce sont vos comptes PSN entre guillemets qui vont être enregistrés dans l'application. Vous ne pourrez pas en affilier plusieurs en même temps, vous allez avoir une limite de deux profils. Et chaque mois, vous pourrez changer vos profils ou les laisser enregistrer, bien évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enregistrer notre profil à nous. On va fermer ces Wizards et on va se retrouver sur la PS4. Allez, une fois qu'on est sur la Play, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres. On va descendre, on va aller dans Gestion des données d'application sauvegardées. On va aller sur Données sauvegardées sur le stockage système. Et on va copier sur un périphérique de stockage USB. Grand Air Photo V. Vous aurez plusieurs fichiers devant vous. Vous, ce que vous allez faire, c'est tous les copier sur votre clé USB. Car dans un premier temps, on va aller réaliser un backup qui va vous permettre de, si vous voulez retrouver vos anciennes sauvegardes de jeu, rien n'est perdu, vous pourrez les récupérer dans le temps.
Une fois que c'est terminé, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir supprimer tout ce qu'on vient de copier dans la clé USB. Donc on va venir supprimer l'autosave, le fichier copie de sauvegarde. Vous allez garder une sauvegarde et vous allez supprimer les autres. Donc pour ma part, c'est la Franklin et la Mar. Si vous en avez d'autres, vous avez le choix de supprimer et de garder celle que vous voulez. Le profil, je vous conseille de le garder, car si jamais vous le supprimez, vous serez obligé de faire un recalibrage à chaque début de jeu. Donc photo, moi je vais supprimer, et ce qui va me rester, ça va être ma sauvegarde et mon fichier profil. Donc on va passer à la suppression. Et là c'est parfait, on peut se retrouver directement sur le PC. Ce qu'on va venir faire une fois qu'on est sur le PC, c'est qu'on va brancher notre clé USB avec nos fichiers et on va l'ouvrir. On va venir faire un clic droit sur le bureau pour créer un nouveau dossier qu'on va nommer Backup. À l'intérieur, on va glisser notre fichier PS4 qui va contenir nos fichiers de notre Play qu'on vient de copier. Donc, ce que je vous ai fait faire ici, c'est créer un backup si jamais vous voulez récupérer vos fichiers après avoir fait vos tenues ou votre DMO. Une fois qu'on a copié tout ça, on peut venir supprimer notre fichier PS4 qui est maintenant dans notre dossier backup. Et ce qu'on va venir faire ensuite, c'est qu'on va faire une save propre. Donc là, on va tout de suite se retrouver sur la console encore une fois. Une fois qu'on est sur la console, on va retourner dans nos fichiers de sauvegarde, donc paramètres, données d'application sauvegardées. On va aller dans données sauvegardées sur le stockage système, copier sur un périphérique de stockage USB, GTA 5, et on va copier notre sauvegarde Franklin et Lamar. On va retirer notre clé, on va la mettre sur le PC. Une fois qu'on est sur le PC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, nouveau dossier, et on va l'appeler save propre. Donc vous pourrez rajouter votre nom de la mission pour pas vous gourer. Moi, je vais laisser save propre et on va glisser encore une fois notre fichier PS4. Allez, donc là c'est parfait, on a notre fichier backup et notre save propre qui nous servira à chaque fois qu'on voudra faire une nouvelle save modée de pouvoir commencer sur une sauvegarde clean. Allez, maintenant qu'on a ces fichiers-là, on va venir ouvrir ces wizards et venir créer un profil. On va aller en bas à gauche sur USB, Select. Et on va venir choisir notre clé USB qui garde notre save. On va venir cliquer deux fois sur Grand Theft Auto V et faire clic droit sur Current Game Progress. On va aller sur Register Profil. Donc là, notre save wizard a détecté que c'était une nouvelle sauvegarde d'un nouveau profil PSN. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un nom. Je vous conseille toujours de mettre votre PSN et de mettre la date qui correspond à quand vous avez créé ce profil à côté. Une fois que c'est fait, on va aller sur Appli. Et là, notre profil est sauvegardé et est créé. Donc une fois qu'on va cliquer deux fois sur Grand Theft Auto V et qu'on va faire clic droit sur Current Game Progress, on va avoir l'Advanced Mode. Allez, une fois qu'on a vu comment marchait Save Wizard, qu'on l'a pris en main, on va venir s'occuper de Save Editor. Pour télécharger Save Editor, on va se retrouver sur X3T Infinity, dans l'onglet GTA V. Et Save Editor. On va venir cliquer sur Download pour télécharger le launcher de Save Editor. Et puis on va venir télécharger les ressources master. Donc c'est de ça qu'on aura besoin pour démarrer Save Editor. Allez, une fois qu'on a téléchargé tout ça, on va se rendre dans un compte, Register, et on va créer un compte. Donc ça, on en aura besoin sur Save Editor une fois qu'on passera aux tenues. Allez, une fois qu'on a créé notre compte, on va recevoir un mail de confirmation comme celui-ci et on va venir confirmer ce dernier. Une fois que c'est fait, on va venir installer le launcher. Donc on va ouvrir le fichier zip qu'on vient de télécharger et on va l'extraire sur le bureau. Vous aurez une petite icône qui va apparaître, on va venir cliquer dessus. Vous aurez des droits d'administrateur, ce que vous faites, c'est que vous acceptez. Et là, une liste de jeux va s'ouvrir. Donc nous on va descendre chercher Save Editor et on va l'installer. Donc le téléchargement n'est pas long, ça dépend encore une fois de votre connexion.
Ce widget va se télécharger sur votre bureau et vous aurez plus qu'à l'ouvrir. Les ressources master, vous vous êtes demandé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un chemin vers ces ressources master et un petit chargement va débuter. Vous allez arriver sur une page comme celle-là. Ce que vous allez faire directement, c'est vous connecter. Donc moi, je vous conseille toujours de noter votre compte pour ne pas perdre ce dernier. On va aller venir cliquer sur le jeu. Et pour l'exemple, moi, je vais aller dans Open File et je vais aller chercher une save demo. Donc là, ça va être juste pour vous montrer les différentes options et les menus dans Save Editor. On verra un peu plus en détail chaque onglet dans une prochaine vidéo. Si vous voulez aller voir ma vidéo que j'ai faite sur la démo, elle sera en description. J'explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'onglet Garage. Allez, pour ma part, moi je pense que je vous aurai tout expliqué sur SaveWizard et sur SaveEditor. Vous savez maintenant les bases. Si vous voulez que je vous fasse un tuto un peu plus complexe sur ces derniers, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, commentaire ou Discord. C'était Ponze, à tout à l'heure.